Merci. Madame Capdevielle. Oui, bien, on va rester donc dans le sud-ouest, monsieur le président. Oui, effectivement, on ne fait pas forcément de philosophie, mais nous avons des activités le dimanche. La société, elle change. Comment vit-on en 2015 ? Moi, je voudrais simplement raconter comment vivent le dimanche en province, notamment celles et ceux qui ne veulent pas que les commerces ouvrent. Je vais vous raconter un dimanche ordinaire en province. Bien, le matin, je suis bien content de trouver le journal dans ma boîte à lettres. Et il y a bien quelqu'un qui me l'a amené à 7 heures le matin, le dimanche matin. Comme j'ai envie, parce que c'est une nouvelle expression, il faut faire société, faire famille, je leur offre du pain frais, des croissants, chez moi on dit des chocolatines. Et donc je vais à la boulangerie. Je suis contente parce qu'elle est ouverte et donc j'ai du pain frais, des croissants et des chocolatines pour ma petite famille. Puis comme j'ai pas le temps de faire du sport dans la semaine, je vais à la piscine. J'adore ça, j'adore aller nager. Elle est ouverte, il y a quelqu'un à l'accueil, il y a une dame qui vient me passer un cintre. Il y a également un ou une maître nageuse. Ensuite, je rencontre une amie avec laquelle je vais nager, on va prendre un café. Tiens, c'est ouvert. Ensuite, je rentre chez moi et je vais préparer à déjeuner. Je n'ai plus de tomates pour faire ma pipérade. Le marché est terminé et donc je vais au restaurant en famille, en famille. Et je suis contente parce que pour aller au restaurant, il y a du monde, il y a du personnel, donc il y a des cuisiniers, il y a des serveurs, il y a des personnes qui travaillent dans ce restaurant. Ensuite, je vais passer chez des amis, puisque j'ai une vie sociale, je vais voir ces amis, et comme je n'arrive jamais les mains vides, c'est comme ça dans le sud-ouest, je m'arrête prendre un bouquet de fleurs et un gâteau, basque, bien évidemment. Eh oui. Et puis, l'après-midi se termine, quand il fait beau, je jardine, et puis mon fils, qui est étudiant, rentre à Bordeaux. Donc je l'amène à la gare, elle est ouverte, je lui achète un sandwich, c'est ouvert également. Il a bien sûr pas eu le temps de prendre son billet, donc je l'achète et le guichet est ouvert. Et je constate qu'il y a un conducteur dans le train et qu'il y a même des contrôleurs. C'est extraordinaire et pourtant nous sommes un dimanche. C'est quand même étonnant. Alors j'ai entendu qu'il fallait aussi que le dimanche c'était fait pour les activités culturelles. Formidable, je travaille le restant de la semaine. Ben, le cinéma, il est ouvert. Mais il y a justement des gens qui travaillent aussi pour que le cinéma soit ouvert. C'est bien aussi d'aller au théâtre. Ben, le théâtre, c'est la même chose. J'aime bien aller au concert. Ben, le concert, c'est la même chose. Le rugby, c'est pareil. Activité du sud-ouest, ben, il faut bien entretenir le stade, il faut bien nettoyer, il y a du monde qui travaille. Idem pour aller au musée. Alors après une telle journée, j'ai mal à la tête et je suis content de trouver quand même une pharmacie qui est ouverte pour m'acheter quelques cachets, pour pouvoir m'endormir, bien évidemment, pour pouvoir retravailler le lundi. Alors tout ça pour dire qu'il faut quand même être raisonnable et extrêmement réaliste. C'est vrai qu'il n'est pas question d'attacher chacun d'entre nous pour aller pousser les caddies dans les supermarchés, c'est évident, mais quand même, regardons le monde tel qu'il est en 2015, toutes et tous, nous sommes quand même bien contents de trouver plein d'endroits qui sont ouverts pour nous permettre de passer des dimanches agréables. Alors je pense qu'il faut ramener ce qui nous est proposé ici, c'est pas de la philosophie, c'est la réalité tout simplement de la vie que l'on mène les uns et les autres. Et donc moi je voterai réellement tout ce qui nous est proposé parce que la société change et que la législation doit changer avec, parce qu'on propose également ce qui est nouveau. On propose, et c'est très intéressant, monsieur le ministre, vous proposez effectivement des compensations qui actuellement n'existent pas. Et c'est ça le côté novateur, et je regrette que cela n'ait pas été relevé par d'autres.